Galates chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. On peut aller jusqu'au verset 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Paul écrit cette lettre aux Galates, comme vous le savez. Les Galates étaient très versatiles. Ils suivaient le vent, gauche, droite. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Les Galates, n'est-ce pas, avaient été séduits par les discours ou les enseignements des docteurs qu'on appelait à l'époque les judaïsants. C'est-à-dire des juifs qui avaient adhéré à l'évangile tout en gardant les pratiques de Moïse. L'observation du Shabbat, la pratique de la dîme, l'observation, n'est-ce pas, de coutumes et traditions d'hommes instituées par les Sadducéens, les pharisiens. Et ces judaïsants, on le voit dans Galates chapitre 2, Paul a eu un vif débat avec eux. Il le dit dans Galates chapitre 2, par exemple, au verset, n'est-ce pas, 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Paul appelle ces judaïsants des faux frères qui s'étaient glissés parmi les chrétiens dans les églises. Vous voyez, comme des serpents au milieu des assemblées locales. Et je vous assure, mes bien-aimés, nous sommes à une époque où la plupart de nos assemblées sont remplies de faux frères. On le sait. Et je peux aussi en parler de plus en plus parce que quand j'étais pasteur, et également quand je dirigeais encore les assemblées ici et là, je vous assure, j'ai pu avoir affaire à ces faux frères. Et au jour d'aujourd'hui, on continue à voir les fruits de la plupart de ces faux frères. Par exemple, quand j'étais en Martinique, on m'a appelé pour m'annoncer qu'il y a un de faux frères qui était avec nous. Depuis 6 ans, ce monsieur couchait avec une sœur de l'assemblée, d'une des assemblées qu'on a implantées en France. Et pendant 6 ans, ils ont fait 3 avortements ensemble. Et il pouvait venir prendre le micro et prêcher, prophétiser et jouer de la guitare. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me donnait toujours des thèmes, des livres assez, n'est-ce pas, pointillés, très très parlants, comme le blé est livré, le feu est tranché dans les églises, pasteur ou chef d'entreprise, n'est-ce pas, et la captivité de l'évangile. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est avec le temps que j'ai réalisé que, effectivement, la parole est vraie. Que des faux frères se glissent facilement dans le... Ils sont là pour épier. Ce n'est pas pour adorer, pour servir Dieu, mais pour épier la liberté que les chrétiens ont. Vous savez, Paul dit toujours aux Galates, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté. Vous croyez que beaucoup de chrétiens sont libres? Non. À part le fait que la plupart de ces chrétiens fréquentent les assemblées locales, mais beaucoup dans leur marche personnelle avec Dieu, en dehors des assemblées locales, beaucoup parmi ces chrétiens ne sont pas libres. C'est-à-dire, ils sont encore, n'est-ce pas, dépendants de la chair et de ses œuvres. Le fait de ne pas pouvoir se passer de la nourriture fait de toi un esclave. Le fait de ne pas pouvoir, mes amis, te passer de quelque chose, ça peut être la télévision, ça peut être, je ne sais pas, et la musique, même ce qu'on appelle la musique chrétienne. Donc beaucoup ne sont pas libres. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la liberté. Ce que beaucoup appellent la liberté, ce n'est pas la liberté, en fait c'est la désobéissance, c'est-à-dire ils font ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la liberté. La liberté selon la Bible, c'est le fait de se soumettre à Dieu. Le fait de faire ce que Dieu dit. Et non ce que les hommes disent. Voyez? Et les chrétiens de Galate, les églises de la Galatie, étaient menacés par les faux frères. Et l'apôtre Paul même dira que Tite, qui était grec, et qui était avec Paul à Jérusalem, dans Acte 15, en fait, Galates 2 et Acte 15 nous parlent de la même chose, c'est le concile de Jérusalem. Et Paul dira que ces faux frères mettaient la pression sur Tite pour qu'il soit circoncis. Et il disait que ceux qui n'étaient pas circoncis ne pouvaient pas être sauvés, même s'ils étaient, n'est-ce pas, chrétiens. Il fallait à tout prix qu'ils soient circoncis. Donc ces faux frères enseignaient encore Moïse. À pousser les chrétiens, n'est-ce pas, obliger les chrétiens à observer à la fois la grâce et la loi de Moïse. Et Paul dira qu'ils n'avaient pas cédé à leurs exigences. Ils étaient très exigeants sur le plan loi mosaïque. Frères, en ce qui concerne les faux frères, dans le cadre du ministère que le Seigneur m'a confié, je peux vous assurer que depuis que j'essaie de servir le Seigneur, comme je vous l'ai dit, j'ai eu affaire à des faux frères qui ont voulu m'imposer leur manière de voir les choses. Et à chaque fois, je disais, bien sûr, non, il y avait de la rébellion, il y avait des départs, et il fallait rester attaché à la vérité, tout en sachant que j'allais perdre beaucoup d'amis. La pression. Paul pouvait dire aux Colossiens, si vous savez le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, le combat pour la vérité. Oh oui. Je me rappelle encore, quand le Seigneur a commencé à me dire qu'il fallait que j'offre mes livres, je les ai plus offerts que vendus, mais quand le Seigneur a dit, il faut les offrir, mais beaucoup de faux frères qui étaient là disaient, non. Je me rappelle la femme d'un pasteur que j'ai formé me disait, comme on m'appelait à l'époque le vieux, elle disait, le vieux, si les gens ne donnent pas l'argent, c'est à cause de toi, parce que tu donnes les affaires, les ouvrages gratuitement. Quand le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que la dîme, c'était la loi, qu'il ne faut plus, à la loi de Moïse, qu'il ne faut plus qu'il la paye, parce que c'est un impôt qui condamne mon peuple, parce qu'on menace mon peuple de malédiction s'il ne paye pas la dîme, alors que ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Cet enseignement était comme un pavé jeté dans la mare. Ça a été la base, hein, une des bases des combats que j'ai eu à essuyer à cause de la vérité. Et je peux vous assurer que j'ai perdu tous les amis pasteurs. Je dis bien tous. D'accord? Voilà. Parce que, imaginez tel que nous sommes là, nous sommes combien? Nous sommes à peu près 300-400. Imaginez un peu. L'assemblée que je dirigeais en tant que pasteur, il y avait le double de personnes. La salle était, elle était, la salle où j'étais là, où on était en tant que pasteur, elle était largement plus grande que celle-ci. Et j'avais 10 000 euros de dîmes par mois. Mais je ne prenais que 500 euros pour mon loyer. Le reste, on mettait sur le compte. Et le Seigneur me dit, tous ces 10 000 euros, rien qu'en tant que... Vous savez, l'assemblée locale, sachant que j'avais implanté des églises partout,
Et donc, si on pouvait récupérer les dîmes de toutes ces églises-là, je pouvais avoir près de 30 000 euros par mois. Et Dieu dit, il faut que tu dises cette vérité à mon peuple. Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, littéralement népios en grec, c'est-à-dire ignorant. Vous savez pourquoi beaucoup de gens dans nos églises sont, n'est-ce pas, blessés, sont dépouillés par des fois? Parce qu'ils sont tout simplement ignorants. C'est l'ignorance. L'ignorance peut même te pousser à défendre la vérité alors que tu n'es pas suffisamment enseigné. Tu penses bien faire, mais tu es complètement à côté de la plaque. L'ignorance. Et le jour où tu vas te réveiller, tu diras, ah non, mais j'ai combattu un frère alors que je ne savais pas l'ignorance. Comme Paul, l'ignorance est dangereuse. Les gens pensent bien faire parfois, mais ils sont parce qu'ils sont ignorants. C'est pour cela que Paul dit que l'héritier qui est népios, qui est ignorant, alors qu'il est héritier, mais parce qu'il n'est pas enseigné par Dieu d'abord, parce qu'il n'a pas la révélation, il est sous des tuteurs, sous des administrateurs. Et aujourd'hui, vous savez, à l'époque de Grec, quand Paul a écrit cette lettre, les tuteurs, les administrateurs, c'était les esclaves qui travaillaient, qui s'occupaient des biens de leur maître. Et ces esclaves avaient également la gestion. C'était pas tout le temps des esclaves, mais en général, c'est des esclaves qui géraient les biens comme les intendants de leur maître. Et ces esclaves-là, ces administrateurs, avaient également la charge de l'instruction, de l'éducation, de la correction des enfants de leur maître. Pourtant, ces enfants-là étaient héritiers de leur père. Mais parce qu'ils n'avaient pas encore la majorité, ils devaient être soumis à ces esclaves qui servaient leur père, leurs parents. Ils étaient sous l'autorité des esclaves, des administrateurs. Et vous savez comment se faisait aussi l'éducation des enfants chez les Grecs? On pratiquait la pédophilie. C'est-à-dire, ces administrateurs, ces économes pouvaient aussi avoir des relations sexuelles avec les jeunes garçons qui étaient sous leur autorité. Et c'était connu. Donc ils étaient sous leur autorité, sous leur contrôle. Et l'apôtre Paul dit, il dit, mais il fait une comparaison entre les héritiers grecs dirigés par les esclaves de leur père, leurs parents, jusqu'à la majorité, et les chrétiens de Galate qui, bien qu'étant héritiers, bien qu'étant en Christ, étaient toujours dépendants des judaïsants, étaient toujours obligés de courir après les hommes. Et Paul dit, mais vous êtes héritiers. Vous êtes héritiers de Dieu. Vous avez hérité beaucoup de choses. Mais ils étaient ignorants, ces chrétiens. Voilà pourquoi, frère, quand les fausses doctrines sont arrivées dans la Galatie, telles que la circoncision, le fait d'observer les jours, les années, les fêtes, eh bien, ces chrétiens de Galatie ont accepté rapidement et facilement ces fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas enseignés. Je veux que vous sachiez une chose par rapport à l'enseignement. Si un homme que Dieu a élevé vous enseigne matin, midi, soir, vous pouvez avoir la connaissance, c'est bien. Mais si Dieu ne vous enseigne pas d'abord, même si on vous donne des puissants enseignements, vous allez les fouler aux pieds comme des pourceaux qui foulent aux pieds les perles qu'on leur donne. Vous savez, je vous dis une chose encore. Je voudrais encourager les vrais enfants de Dieu. C'est ça mon objectif. Au jour d'aujourd'hui, partout où Dieu m'envoie. Quand Dieu m'a visité pour commencer le ministère, je me rappelle encore, il y a 15 ans pratiquement, le 9 février prochain, on va totaliser 15 ans depuis que j'ai commencé le ministère. Et avant cela, le Seigneur m'a donné plusieurs visions. Il m'a dit, tu vas vivre un puissant réveil. Je veux envoyer des nations. Il m'a donné des rouleaux, il m'a imposé les mains, il m'a dit, va et libère mon peuple.
Beaucoup de pasteurs me disaient-ils, après avoir gagné les âmes, ils me les présentent et ils les repartent avec. J'ai commencé le ministère, je me rappelle très bien, j'étais avec Rafika, une sœur algérienne, elle avait 17 ans à l'époque. Elle venait de se convertir, mon frère et Florent, que je venais de baptiser. On a commencé le travail avec ma femme. Des frères et sœurs ont commencé à venir. J'ai commencé à les former. Je commençais à les former avec leurs femmes. À l'époque, on faisait l'ordination, on faisait les mariages, je bénissais les mariages. On a commencé à les former, je commençais à les ordonner au ministère, à bénir leur mariage. Et plus l'œuvre prenait de l'ampleur, plus Dieu me donnait des messages qui étaient comme de l'épée, qui amenaient la division. Et je vous assure, dans les coulisses, beaucoup, à l'instar des faux frères, m'ont mis la pression. Fais attention le vieux, parce que le chemin que tu prends, ça c'est pas ce que Dieu demande. Mais je savais que dans mon cœur, ce n'était pas ça. Je leur disais, mais c'est pas ce que Dieu me dit. Je sens qu'il faut que je dénonce la dîme. Et je le fais. Je sens qu'il faut que je dénonce le fait de dire que le dimanche est le jour du Seigneur. Et je le fais. Je sens qu'il faut que je dénonce la vision africaine qui veut que l'on soit tout le temps entre Congolais alors qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en Europe. Il y a beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'Arabes. Il y a beaucoup de Chinois. Il y a beaucoup d'Européens, surtout parce qu'on est en Europe. Je sentais qu'il fallait passer à autre chose. Je n'étais pas satisfait. Mais il y avait d'un côté Dieu qui me donnait cette connaissance. De l'autre, il y avait le combat avec des frères et sœurs qui étaient là et qui disaient, tu vas te casser, tu vas tout casser. Et il fallait faire un choix. La vie chrétienne est un choix. D'accord? La marche chrétienne, le ciel, l'éternité est un choix. Tu dois savoir ce que tu veux. Vous voyez, non? Chaque chrétien doit savoir ce qu'il veut. Et Dieu me disait, il me donnait une connaissance qui choquait. Je pouvais être comme ça, une voix me parlait. Voilà, prends ta Bible. Voilà, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je lisais la parole et il y avait comme une connaissance qui venait, qui j'étais comme un fou. Et de l'autre côté, je voyais qu'il y avait une équipe de frères qui disait non, il faut pas, non, il faut pas, non, il faut pas. Et je sentais qu'il y avait des menaces. Soit tu cèdes et Dieu n'est plus avec toi, ou soit tu restes seul mais avec Dieu et là le Seigneur va continuer à faire son œuvre. Frère, c'est pas facile. Parce que nous sommes sentimentaux. Nous aimons les frères et sœurs. Nous pouvons même aimer plus la communion fraternelle que la relation avec Dieu. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, par peur d'être rejetés, ont préféré, n'est-ce pas, remplacer leur relation personnelle avec Dieu par la communion fraternelle. C'est pour cela que du coup, ils vont quand même, mes amis, beaucoup savent que tel frère est vraiment dans l'impudicité. Mais ils vont quand même prier avec parce qu'ils se disent, il faut l'amour. Et Dieu, quand c'est comme ça, il se retire. Ah oui. Et vous savez, Dieu m'a dit, reste sur la connaissance que je te donne, si tu veux voir ma gloire. Et je peux vous assurer, depuis 2003, je dis bien, depuis 2003. Parce que vous savez, il y en a qui viennent de connaître le ministère, ils pensent nous connaître depuis des années. Depuis 2003 jusqu'à 2012, on n'a eu que des départs des frères. Toute ma première équipe, 99%, 99%, Dieu a tout balayé. Et vous savez ce qui s'est passé en échange, ce qui s'est fait, ce que Dieu fait maintenant aujourd'hui? C'est impressionnant. Comme je vous l'ai dit au début. Beaucoup n'arrivent pas à vivre à Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont encore ignorants. Ils sont héritiers, ils sont chrétiens, ils sont convertis, mais ils sont encore ignorants. C'est-à-dire, il y a deux types d'ignorance. Premièrement, il y a la méconnaissance par rapport à Dieu. L'ignorance par rapport à Dieu. Qui est Dieu par rapport à toi? D'accord? Qui est Dieu par rapport à toi? Et le deuxième type d'ignorance, c'est par rapport à ton identité. Qui es-tu? Dieu m'a enseigné ces deux choses. Il s'est révélé à moi. Comme étant l'agneau, il s'est révélé comme un père. Il m'a pris, il m'a amené dans le ciel. On m'a déposé dans ses bras.
Un ange m'a ravi comme ça un jour. Et on m'a déposé dans les bras du Père. Il était sur son trône comme ça. Et il caressait ma tête. Je peux vous assurer, à partir de ce moment-là, j'ai plus peur, ni de la mort, ni de qui que ce soit. Et tout ce que Dieu me dit, je le fais. Et parce que je le fais, frère, je vois les fruits et les gens sont choqués. Du coup, hier, ceux qui étaient partis pour dire, c'est fini pour lui, dans un an, c'est fini. C'est eux qui disparaissent et l'œuvre ne fait que prendre de l'ampleur. Ils vont faire des vidéos pour dire non, mais avec la dîme, comme ils ont enlevé la dîme, les gens ne donnent plus. Je vous ai dit non, en 11 mois, on vient de récolter là plus de 140 000 euros et nous allons acheter cash d'ici la fin du mois les locaux du 24 à Paris, comptant sans crédit. Vous voyez ce que Dieu fait? Voilà la connaissance que Dieu nous donne. C'est-à-dire, si tu sais qui est ton Dieu, hein? Qui est ton Dieu et qui tu es, ces deux choses-là, c'est fini. Les gens diront que tu as touché à la magie. Les gens diront, en fait, c'est un sorcier. Vous savez pourquoi? Parce que leur Dieu n'agit pas. C'est aussi simple que ça. La connaissance que tu peux avoir de Dieu va t'éloigner du péché. Non. La connaissance que tu as de Dieu, parce que comment veux-tu craindre Dieu si tu ne le connais pas? Il est dit dans Daniel 11, 32, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Oh frère, connaître Dieu, Dieu se révèle. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas connaître Dieu parce que vous priez. D'accord? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce frère nous raconte? Les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Les catholiques prient. Les témoins de Jéhovah prient. D'accord? Dieu dit, je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient pas. Donc, connaître Dieu, c'est que c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui décide, je veux me révéler à tel homme. Amen. Paul était sur le chemin de Damas. Il allait combattre les chrétiens. Et c'est là que Dieu l'a visité, frères et sœurs. La connaissance de Dieu dépend de sa souveraineté. Dieu a décidé dans cette génération de te visiter, c'est sa volonté. Frère, oh Dieu d'Israël. Regardez. Moi j'étais dans ma chambre. Un ange vient me voir, il me dit viens. Il me sort de mon corps, j'arrive au ciel, je me mets à parler avec Gabriel. J'ai pas cherché ça. Connaître Dieu, c'est la base. Qui suis-je au dire des hommes? Tu es Jean-Baptiste, tu es Philippe, tu es cela, tu es Jérémie. Et vous, le Père intervient. Il ôte le voile qui était sous les yeux de Pierre. Pierre reçoit la révélation. Tu es le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi les pères de l'Église, trinitariens ou trinitaires, ont créé la Trinité? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Jésus, vrai ou faux? Maintenant, ils ont pris l'Esprit de Jésus, ils ont créé quelque chose de côté, d'à part entière, indépendant de Jésus. Il y a un seul Dieu, frère. Il faut l'illumination. Il faut. Dieu se révèle. Écoutez, quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac, quand Rebecca est arrivée devant Isaac, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a vu Isaac de loin, elle s'est voilée. Vrai ou faux? Mais Isaac, avant de tomber amoureux de Rebecca, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le voile. Oh, quels yeux! Oh, quel visage! Oh, quel sourire! Comment veux-tu tomber amoureux de Jésus si tu ne l'as jamais reçu? Si tu ne l'as jamais vu, si tu ne l'as jamais entendu? Il y a des gens qui peuvent tomber amoureux juste d'une femme parce qu'elle a une belle voix. Vrai ou faux? Tu parles au téléphone, oh quelle voix! Tu te sens séduit. Il faut parler en langue. Je refuse au nom de Jésus. Parce que la voix est tellement belle. Oh frère, mais quand Jésus parle, on l'envoie des huissiers pour l'arrêter. Ils ont commis une grave erreur. Ils l'ont écouté. Ils ont
ont déposé les armes, ils repartent les mains vides, croyant qu'ils avaient Jésus avec eux. Oui, ils avaient avec, le Seigneur était avec eux spirituellement. On leur demande, mais où est-il? Ils disent, jamais homme n'a parlé comme c'est. Malgré leurs muscles, malgré leurs armes, mais ils ont rencontré la parole révélée. Au commencement était la parole. Frère, la première fois que j'ai entendu la voix de Jésus, j'étais pris. Il parle avec une voix tellement haut, à la fois douce et puissante. Et quand je l'ai vu dans ma chambre, la beauté personnifiée, j'ai vu quelqu'un dont la terre ne peut pas contenir. Frère, il est tellement excellent. C'est pour cela que je sais que même si tu es sorcier, tu peux matin, midi, soir faire des incantations. Tu peux jeûner, faire des imprécations. Moi, je veux manger du manioc, manger tout ça là. Frères et sœurs, hein? Toi tu jeûnes contre moi, moi je mange. Je prends la Bible, je la médite, je prie, j'adore mon Père. Frère, mais je sais une chose, tous mes cheveux, même si je suis un peu dégarni, sont comptés. Ils te feront là. Dis à ton voisin, il faut qu'on te fasse la guerre. Parce que tu connais Dieu. Parce que Dieu te connaît. Alléluia. Oh Dieu. La connaissance de Dieu. Frère, regardez les gens qui sont passionnés de Jésus. On les traite de rebelles. Hein? Non mais ils ne sont pas soumis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. C'est tout. Vous avez vu une femme amoureuse? Elle peut enjamber le mur de sa, la clôture de sa, de la maison de ses parents. Parce qu'elle est amoureuse. Vrai ou faux? Regardez un homme amoureux. Il s'enferme dans la salle de bain. Et il est en train de tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Pourquoi? Il est amoureux. L'amour te pousse à te cacher. Donc quand on est passionné de Jésus, on s'enferme dans sa chambre. On ferme la porte à clé. On est là. Doudou, je t'aime mon cœur, mon bien-aimé. Alléluia. On dit non, il pleure parce que c'est un pécheur. Non, je ne suis pas pécheur. C'est parce que mon cœur est tellement chaud que je dois pleurer. Je ne peux que pleurer parce que je l'aime, parce que je l'aime, je l'aime. On dit même sa démarche a changé, ben c'est normal. Paul dira, Christ est ma vie. Oh, même si Cindy Crawford venait. Oh, Cindy Crawford est belle, mais je suis déjà amoureux. Ah! Connaître Dieu. Frère, Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. Si tu es chrétien, qui peut te toucher? Honnêtement, dites-moi, qui peut te toucher? Paul a dit quoi? J'ai l'assurance. J'ai la. Oh, ce n'est pas l'assurance maïf hein, à Paris. Non, assurance éternelle. J'ai l'assurance que ni la mort. Ah, tu peux pas mourir comme les autres. Ah non. Les autres meurent bizarrement. Toi, non. Dieu t'a averti d'abord. Que ni la mort, ni la maladie, ni les démons, ni les sorciers, ni personne ne peut me... Frère, même si je n'ai plus d'église, personne ne peut me séparer de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Non, on l'a viré de l'église, mais que Dieu soit béni. Mais l'église corps de Christ, je suis membre de cette église, là, frère. Mon pasteur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu! Tu es de quelle église? Moi je suis de l'église de céleste. Mais ton pasteur c'est qui? C'est pas le bishop? Non, c'est pas le... Il est là-haut. Et il est là-dedans. Et ta dîme, tu la payes à qui? Ma dîme, elle a déjà été payée sur la croix. Tout est accompli. Oh mon Dieu! Alléluia! Waouh! Mais frère, tu es dangereux. C'est parce que je suis éclairé. Hey, ma soeur, et ton action de grâce, tu la donnes quand? Mais l'action de grâce, c'est tous les jours quand je prie mon Dieu. Seigneur, sois béni pour la vie, sois béni pour la santé.
Oulololololo. Ma soeur, je vois une tante, une de tes tantes qui veut te manger. Oh prophète, tu n'as vu qu'une tante seulement. Je croyais qu'elle avait au moins 10 000. Oh! Parce qu'il est écrit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais. Ah! Alléluia! Oh! Les prophéties qui font peur. Oh, je vois ta tante qui veut te tuer. Oh non, mais je suis chrétien. C'était hier, si hier, pendant que j'étais païen, dans l'impudicité, ma tante n'a pas pu me manger. C'est pas maintenant que je suis ressuscité, assis dans les cieux, en Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle pourra me frère. Que les francs-maçons viennent, que les rosicruciens viennent, que les gens fassent des réunions contre toi. Ils changeront de langage parce que, oh, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, ma soeur, il y a papa ou maman. Maman qui arrive, quelle maman? Oh, maman, oh, oh, quelle maman là? Oh, papa, oh, oh, non, 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 non. J'ai plus de papa ni maman. N'appelez personne sur terre votre père. Un seul. Et un seul. Dites ton voisin, il est là-haut. Regardez le dimanche, tous les dimanches, le pasteur prend son carnet rempli de noms de frères et sœurs. Frère Jacques, présent pasteur. Sœur Louise, présente. Les chantres, chantre un tel, présent. D'accord. Ah ben, il est content. Maintenant, tout le monde va pouvoir donner sa dîme. Allez, amenez-moi la corbeille ici. Un petit cantique. Alléluia, alléluia, alléluia. Là, le frère Jacques vient avec son enveloppe. Hein. Il est tout content parce que le pasteur, il faut qu'il voit qu'il donne bien. Pasteur, regarde, c'est moi. Ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Pasteur, c'est moi, t'as vu, hein? Prépare-moi, je vais t'élever, pasteur. Je veux être à tes côtés, pasteur, s'il te plaît. Et il vient, il donne. Et quand le pasteur va vérifier le soir avec sa femme, il va se rendre compte qu'il y a un gros chèque de 10 000 euros. Ah, c'est qui ça? Oh, c'est le frère Jacques. Le frère Jacques, oui, mais le problème, c'est que le frère Jacques, il est polygame. Mais c'est pas grave, Dieu est amour. Frère Jacques, viens, diacre, ta. Et le frère Jacques commence à s'asseoir sur l'estrade. Parce que c'est un partenaire. Où Jésus aide-nous. Qui ne veut plus être esclave des hommes? Oh, veilleur prophétique. Veilleur prophétique. Le 31 décembre. L'année prophétique, dites aux voisins, c'est bidon. La Bible a dit dans Luc chapitre 4, Jésus est venu annoncer une année de grâce. Voilà l'année de la Bible. L'année de grâce. Oh, cette année, c'est l'année prophétique, il ne faut pas manquer la veillée. Le 31 décembre, on attend, on compte l'heure. 23h58. 23h59, 23 minuit, allez prophétiser. Cette année, j'aurai le mariage. Cette année, j'aurai le mariage. Alléluia. Et à la fin de l'année, toujours célibataire. Frère, dis à ton voisin, ne sois plus ignorant. Oh non, moi, mon ministère, c'est de faire à manger pour le pasteur. Non, c'est faux. Tu es idolâtre. Tu cherches un poste. Et si tu fais à manger pour le pasteur et qu'il ne veut pas manger, ça devient un problème. Oh, que Dieu nous aide. Moi, mon ministère, c'est balayer la salle, nettoyer l'église. Toi, tu nettoies l'église, tu es Dieu. C'est son sang
et sa parole et son Saint-Esprit qui nettoie l'église. L'eau de la parole, afin de la sanctifier avec l'eau de la parole, Éphésiens 5. Oh non, moi mon ministère c'est de faire la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Vous avez vu la table de Sainte Seine là tout, avec un tissu blanc là, vous connaissez ça? Hein? Le jour où on prend la Sainte Seine, tout le monde est bien habillé, tout le monde marche tranquillement dans la salle, pour ne pas, on entend les mouches voler, tout le monde fait attention, et puis avec les sorciers aussi, ils prennent la Sainte Seine. Oui. Personne n'est frappé là-dedans parce que tout le monde est mort. Les frères qui chantent, impudiques. Les sœurs qui chantent, impudiques. Les diacres, impudiques. Les anciens, impudiques. Mais c'est pas grave, on va au ciel. Je vous dis une chose, Dieu me disait ceci. Dis à mon peuple que l'église que je veux, c'est l'église dans les maisons, dans le sens où les familles. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, bon, pendant des années, vous avez mal compris l'église. On a cru qu'il fallait absolument un bâtiment ou une maison. Et on se retrouve avec des frères et sœurs. On commence à prier les impudiques, les voleurs, les gens qui n'ont pas un témoignage correct. Mais ce n'est pas grave, il faut prier parce que c'est l'église. Même si Dieu ne leur a pas donné une vision. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est partout comme ça. C'est la cacophonie, c'est du n'importe quoi. Je dis, hein, je peux parler parce que je suis passé par là. J'étais pasteur, je suis devenu apôtre avec des églises dans le monde entier. Dieu me dit, laisse tout ça là, maintenant il faut que tu me... Je veux te parler. Vous savez ce que c'est l'église, frère? La connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Aussi longtemps que l'héritier est ignorant, il n'est pas différent des esclaves. Les esclaves ici là, ce sont les païens qui sont sous le contrôle de Satan, du péché. Mais quand on prend les païens d'aujourd'hui et la plupart des chrétiens, il n'y a pas de différence. Vous savez pourquoi? Les païens ont besoin des thérapeutes. Les chrétiens ont des thérapeutes qu'on appelle pasteurs. Il n'y a pas de différence. Les païens sont idolâtres. Les chrétiens ne peuvent pas se passer de leur pasteur. Vous enlevez leur pasteur, tout s'écroule. Ils vont vous dire, mais tu nous envoies quel missionnaire maintenant? Vous avez toujours besoin de missionnaires depuis tout ce temps. Vous ne pouvez pas vous prendre en charge. Dieu m'a dit, l'église, c'est quoi? Il a dit, hein, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis là. Mais il dit, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, son nom est la parole de Dieu. On ne s'assemble pas parce qu'on est tous de la même tribu. Non! Ça, c'est la sorcellerie. Les loups avec les loups, les congos avec les congos, les congolais avec les congolais. On ne voit même pas, même un seul belge, il n'est pas là parce que le comportement est tel qu'ils sont dans leurs traditions, leurs coutumes. Quand un belge vient, il se sent en Afrique, donc il préfère rester en Belgique. Il se sauve. Vous savez, j'ai encore un peu de temps là. On va parler. Les églises tribales, il y en a plein. Tu pars à Londres, pareil. Je dis au pasteur là-bas, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Où sont les frères du Maghreb? Où sont-ils? Dans nos églises. Parce que quand les gens viennent, on a bâti autre chose. On quitte une église congolaise et on reste entre Congolais aussi. On se fait du bien entre nous, on se cajole. C'est entre nous, on s'aime, on se connaît. On va se, n'est-ce pas, se faire du bien. Ah non, je suis blessé. C'est partout comme ça, c'est comme ça que les églises naissent. Et vous allez voir au bout d'un an, division aussi. Parce qu'il y en a qui cherchera, il y en a qui vont se positionner pour chercher à prêcher, à enseigner. Et s'il y en a deux qui commencent à prêcher, ils vont se faire la guerre un jour. On connaît comment ça finit toujours. On connaît. On cotise, on cotise, on cotise. Il y a très peu d'églises ici en Belgique qui ont construit des orphelinats. Les églises, il y en a très peu. Très peu. Les dispensaires pour aider les gens à donner naissance, il y en a très peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça va être la guerre des chefs. On sait comment ça finit toujours. Voilà. Et Dieu m'a dit, c'est pas ça. Vous êtes passé par là, c'est pas ça. Lui, Père, c'est quoi? Il me dit, dans Luc 17, je dis... Le Seigneur a dit quoi? Ce qui arriva à l'époque de Noé et de Lot arrivera pareillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot a essayé de bâtir une église avec les gens de son époque. D'abord, Noé. C'est une façon de parler. Noé est allé voir, il était le prédicateur de la justice, nous dit Pierre. Il a prêché la sanctification, il a prêché le déluge, il a parlé du jugement de Dieu. Il a dit aux gens, repentez-vous car Dieu revient. Vous savez,
Noé n'a pas été écouté. Vous savez ce que Noé a fait? Noé a bâti une église avec sa famille. Noé s'est tourné vers sa femme. Il a commencé à enseigner sa femme. Il a commencé à enseigner ses enfants. Dieu m'a dit, voilà l'église que je veux. L'église de famille, d'abord. Vous savez quoi? Le nuque éthiopien, quand il se convertit, comment? Le geôlier dans Actes 16, on nous dit que lui et sa famille priaient, étaient baptisés. Quand Corneille dans Actes 10 s'est converti, c'était lui, sa femme et ses enfants, sa famille. Dieu m'a dit, voilà ce que je veux. Et vous savez ce qui se passe? Depuis, j'ai encore mis en place cette église de maison chez moi, ma femme et mes trois enfants. Tout le temps, prière, partage de la parole, communion fraternelle. Et vous savez quoi? Dieu, quand je prie pour qu'il me révèle des choses, il passe par mes enfants pour me les révéler. Très souvent. Soit il me les donne à moi-même ou par mes enfants. On se retrouve comme ça et il me dit, voilà, la dernière fois j'ai prié, du Seigneur, montre-moi l'état d'âme des pasteurs qui sont là. Et mon fils de 11 ans, au lendemain matin, il vient me voir, il me dit, papa, j'ai fait un songe, j'avais quatre chiens qui avaient attrapé ton bâton dans leur gueule. Ils voulaient te l'arracher, mais tu refusais, tu résistais. Et un feu est sorti de ce bâton, les a consumés. Je dis, waouh, Seigneur, quelle parole, quelle prophétie, quel message prophétique. Le bâton, c'est l'autorité. Les chiens, selon Philippiens 3, ce sont des faux frères. Et Dieu m'a dit, voilà la réponse que tu voulais. C'est des faux frères. Ils veulent ton autorité, l'autorité que je te donnais. Ils veulent faire comme toi. Voilà pourquoi beaucoup tombent à chaque fois. Ils veulent t'imiter. Et ils rentrent dans la jalousie, la compétition. Ils commencent à te casser auprès des frères et sœurs pour mettre la haine dans leur cœur contre toi afin de les éloigner du message que je te donnais. Et beaucoup se perdent comme ça. Le temps de réfléchir, c'est trop tard. Non, il est méchant. Non, c'est l'idolâtrie. Non, faites attention. Ne l'écoutez pas. On ne suit pas un homme. On n'est pas là pour suivre un homme. Voilà comment ils fonctionnent, les faux frères. Ils mettent dans vos cœurs la peur. Ils mettent dans vos cœurs. Ils cassent les frères dans les coulisses. Comme ça, vous avez peur. Et on ne veut plus écouter. Parce qu'on dit c'est l'idolâtrie. Il faut faire attention. Tout ça, machin. C'est la sorcellerie. C'est la magie. Mais eux, là, quels sont les fruits? Regarde, avant d'écouter leur message, regardez comment ils sont avec leurs femmes, avec leur mari. Comment ils sont avec leurs enfants. Regardez leurs enfants. Sont-ils disciplinés? Regardez leurs fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ah oui, frère. Dieu m'a dit, bâtis une église chez toi, avec ta famille. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. La Sainte Cène, le repas du Seigneur, d'abord à la maison. Et commencer à regarder la plupart de ceux qui se disent chrétiens. Regardez dans leur famille comment leurs enfants se comportent. Vous allez comprendre s'ils peuvent faire l'œuvre du Seigneur ou pas. Paul dit quoi? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église du Seigneur? Si tu n'arrives pas à enseigner tes enfants, qu'est-ce que tu vas prétendre pour diriger les gens? Mais la parole est là, mais on n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Je dis au Seigneur, avant de sauver les autres, je veux d'abord amener mes enfants au royaume. Et quand je vois mes enfants, comment ils sont soumis à la parole, gloire à Dieu, comment ils sont soumis à Dieu, c'est ça l'évangile, frère. Si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Vous voulez sauver les autres dehors. Même vos mamans, vos papas, vous en faites quoi? Hein? Vous voulez aller évangéliser les églises, d'église en église. Vous voyez seulement le mal ailleurs. Oh non, ils sont méchants. Non, dans l'église, ici, ça ne va pas, il y a toujours des problèmes. Mais chez toi, là, ta femme, on ne la voit jamais. Elle est où ta femme? Hein, papa? Ta femme, elle est où? Non, mais comme elle a de l'âge, elle ne peut plus bouger. Mais ta femme, il faut l'amener au Seigneur. Ta femme, il faut être avec elle. Est-ce que tu sais que deux fois, tu peux rater les réunions pour être avec ta femme, c'est biblique? Pour prier avec elle? Frère, je vous dis, ce que je vous dis, c'est la parole. J'aime la famille. Je tiens aux valeurs familiales. Ah oui. Ah oui. Et tous ceux qui sont tombés, parmi les gens que j'ai formés, une des raisons pour lesquelles beaucoup sont tombés, c'est la négligence de la famille. Ils étaient tout le temps en mission, partout. Même quand ils rentraient de mission, je leur disais, restez avec vos femmes. Ils n'écoutaient pas. Les gens pensent que non, ce frère Chora, il n'a pas aidé. Mais j'ai fait un travail dans les coulisses. Restez avec vos femmes, vos enfants. Non, Dieu nous a dit. Dieu nous a. Je leur disais, mais vos enfants sont de futurs rebelles. Vos enfants, ils ne sont pas encore éduqués. Prenez le temps d'être avec eux. D'aller faire du foot avec eux, d'aller au restaurant avec eux,
prenez le temps avec vos familles. Non, nous c'est Jésus revient, il faut la parole, il faut qu'on démontre la connaissance, que nous connaissons le retour de la parole. Ça commence par Jérusalem, ta maison. Vous savez, mon épouse, quand je me suis converti, ne voulait pas de Jésus. Elle menait sa vie. Mais je dis au Seigneur, si je n'arrive pas à la mener dans ton royaume, je ne pourrai pas te servir. Parce que je veux aller gagner les autres, mais chez moi, là, ça ne va pas. Là. Ben, si je n'ai pas assez d'onction pour sauver ma famille, comment pourrais-je sauver les autres? Nous sommes 10, de même mère, même père. Et avec les autres femmes que mon père a eues, on était près de 19. Mais tous les 10, mes frères et sœurs, se sont convertis après ma conversion. Je leur ai parlé de Jésus, ils ont vu mon changement. J'ai réussi par la grâce de Dieu à amener mon père au Seigneur avant qu'il ne décède, ma mère au Seigneur et mes 9 frères et sœurs. Et les autres demi-frères, je reste par la grâce de Dieu à leur partager la parole. Je leur montre l'exemple, je leur dis voilà ce que la parole dit. Et quand, même s'il y en a qui ne veulent pas voir les autres demi-frères, mais quand ils me voient, ils disent au moins toi tu peux nous comprendre. Voilà, parce qu'ils voient qu'on est là pour les aider. Mais nous, la manière dont on nous a enseigné dans les églises, c'est de nous focaliser sur les pasteurs, sur les ministères. Voilà ce qui nous tue, les ministères. On adore le ministère. Frère, c'est quoi mon ministère? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis apôtre? J'ai une vision. Un ange m'a dit que je veux servir Dieu. On se bat pour ça. Beaucoup de divorces chez les chrétiens. Regardez les enfants des pasteurs, de beaucoup de pasteurs, rebelles. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas du Seigneur, c'est parce qu'ils ont vu leur père absent. Ils ont vu leur père tout le temps être avec les chrétiens, en train de suivre les âmes partout. Ils ont vu leur père les délaisser, les abandonner pour Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. Ton fils qui a 14 ans, ta fille qui a 10 ans, tu ne sais pas que c'est le moment où ils ont le plus besoin de toi, mon frère et ma soeur? Tu ne penses pas que le vrai ministère, c'est de t'asseoir avec eux, partager la Bible avec eux? Mon fils Noah qui a 9 ans, ce n'est pas de l'orgueil, hein? Mais si vous parlez avec au niveau de la parole, même les trois, il faut être assis. Parce qu'ils vous sortent la parole. L'histoire parfois de l'église. Les écritures. Je prends le temps. On peut rester là beaucoup de temps en train de creuser. Chacun sa Bible autour de la table. Voilà l'église de maison. On prie. Ne néglige pas ton mari, ma soeur, à cause de l'église. Non. Les enfants que tu as enfantés, il ne faut pas les abandonner à cause de l'église. Vous savez, il y a beaucoup d'ingratitude chez les chrétiens. On fait du bien aux frères et sœurs. Un jour, ils vont t'abandonner, mais tes enfants seront toujours là. Et c'est pour cela qu'il faut prendre le temps pour les bâtir avec la parole. On est là, on se convertit, on néglige nos parents. Non, ils sont sorciers. Avec des sectes comme le combat spirituel. Oui, à la sorcellerie, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire là-dedans. Là. Hein? On brise des familles. On te dit, oh non, ton père est sorcier. Du coup, tu ne peux même plus saluer ton père. Mais si ton père est sorcier, Jésus est venu pour les sorciers. Voyez frère, la connaissance. Oh non, mon mari est païen. Non, mon mari ne veut pas de Jésus. Mais est-ce que tu ne t'es pas posé la question que si, peut-être que s'il ne veut pas du Seigneur, c'est à cause de ton caractère? Pierre dit quoi? Les femmes dont les maris ne sont pas convertis, elles peuvent les gagner par leur comportement. Mais tu es là en train de parler toujours en langue à la maison. Quand ton mari parle, tu te mets à parler en langue. C'est une insulte. À la maison, toi qui prêches, ta femme n'a pas besoin d'un prédicateur à la maison. Elle a besoin d'un mari, pas d'un pasteur. À la maison, pasteur. À l'assemblée, pasteur. Dans la rue, pasteur. Au travail, pasteur. Mais t'es qui? T'es pas que pasteur. Tu es aussi un père.
pour aller manger dans un restaurant chinois, il faut que tu sois toujours... Non, parce qu'il y a les statues, tu comprends, les démons, tout ça. Mais tu vois les démons partout, frère. Les démons partout. Alléluia! Dis à ton voisin, va au restaurant. Avec ta famille. Mon frère, la dernière fois où tu as pris tes enfants pour les amener dans un restaurant, ça remonte à quand? À quand? Il se trouve même que tu ne connais même pas une seule adresse d'un restaurant ici en Belgique. Alléluia! Pourquoi? Donnez-moi encore quelques minutes. Pourquoi? Parce que tu es toujours TTS, très très spirituel. Non! Tu veux tellement le ministère que tu as des problèmes, même à la maison, tu as des problèmes. Il faut que tu réfléchisses. Oh, le ministère me prend la tête. Oh, les frères et sœurs m'embêtent. Mais tout le temps, les frères et sœurs. Mais tu vois pas que tu sors de là. Tu as une autre vie. Écoutez, ce matin je reçois un mail. C'est notre blog, les Docimos. Il y a un monsieur qui va toujours sur le blog pour laisser des commentaires, en train de parler toujours de Chora. Non, Chora quand même. Oh, Chora. Il est en train de me critiquer matin, midi, soir. Alors, Adèle, notre sœur, lui écrit. Elle lui dit, mais si Chora t'embête tant, mais tu n'es pas obligé de l'écouter. Tu peux aller voir ailleurs. Voyez, on se crée des problèmes nous-mêmes. Si un groupe t'embête, mais c'est simple, je m'en vais, je les oublie. Oublie-les. Oublie ses frères et sœurs. Tu vas vivre mieux. Tu auras moins de problèmes. Tu vas te focaliser sur ta famille. Oublie. Toi, tu penses que tu vas gérer les choses plus que Dieu. La connaissance. Qui est Dieu et qui es-tu? Regarde. Je suis prédicateur. Fils de Dieu, mari de ma femme. Donc, quand je sois avec elle, je ne veux pas être pasteur, prédicateur. Non. S'il y a des problèmes, je ne veux pas commencer à réciter de versets bibliques. Il est écrit. Femme, soyez soumise. Non. Vis la parole. Sois dans l'amour, dans la douceur. Vous savez quoi? Beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent, leurs femmes le regardent. Dans leur cœur, elles se disent, quel hypocrite celui-là. À la maison, ce n'est pas ce qu'il vit. Elles aimeraient bien les dénoncer, mais comme c'est leur mari, elles se retiennent. La femme d'un pasteur m'a appelé un jour. Elle me dit, frère Chora, aide mon mari s'il te plaît. Il collabora avec moi à l'époque encore bien comme il faut. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, nos enfants ont de l'âge maintenant. Il y a un de ses enfants, notre fils qui a 11 ans a besoin de son père. Mais lui, il est toujours là en train de faire des visites ici et là parce qu'il est dans le ministère. Il ne va même pas sortir avec son fils pour lui montrer comment un père doit être. La connaissance de ton identité te permettrait d'être équilibré. Tu n'es pas seulement chrétien, tu es aussi citoyen belge. Tu as des obligations vis-à-vis de la Belgique. La connaissance de ton identité te permettra à ce que tu aies des limites. C'est important. Des limites à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux dépasser tes limites et faire du harcèlement contre les frères et sœurs, croyant bien faire. Et là, tu dépasses tes limites. Ce n'est plus Dieu, c'est la chair. On est un, mais on remplit plusieurs fonctions. Père, époux, citoyen européen, français, africain. Parents, comment dois-je être avec mes enfants? Comment dois-je être avec ma femme? Comment dois-je me comporter vis-à-vis des frères et sœurs?
un des problèmes majeurs que beaucoup de chrétiens ont, c'est l'éducation. C'est l'instruction. Beaucoup ne sont pas éduqués. Je prends un exemple. Vous voyez ça? Ils vont s'essuyer et puis au lieu de mettre ça dans une poubelle, ils balancent ça comme ça. Problème d'éducation. Vous leur louez une salle. Les chrétiens, hein, revenez après. Vous allez voir la saleté. J'ai vu hein, des couches de femmes, des couches de bébés. Avec. Voilà. Dans un coin. Ils vont aux toilettes. Ils tirent même pas la chasse. Ou quand ils tirent, ils ne nettoient pas. Rien. Ils sont chrétiens. Ils sont des ministères. Ils parlent en langue. Ils viennent chez toi pour prier. Ils vont dans la cuisine. Ils ouvrent le frigo. Ils se servent sans demander la permission. Ils viennent chez vous. Ils mangent. Ils, au lieu de demander des cure-dents, ils prennent la fourchette. Vrai ou faux? Il t'appelle à 23h. Vous ne pouvez pas appeler un Européen à 23h. Mon épouse qui est française de souche, si vous appelez ses parents, vous ne pouvez pas les appeler après 21h, c'est fini. Si le téléphone sonne après 21h, ils vont commencer à trembler parce que ça annonce une mauvaise nouvelle. Un décès, par exemple, un accident. Et vous ne pouvez pas les appeler avant 10h. Mais nous, à 23h30, alors frère, comment vas-tu? Attends, mais quand même là, mon ami, là. Est-ce que c'est faux ce que je dis là? Et vous épousez un tel monsieur, c'est des problèmes. Vous prenez quelqu'un en voiture. J'ai vu ça à Paris avec le frère. Oh, frère Chora, tu pars en Belgique? Oui. Est-ce que de la place? Oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, quatre frères montent avec toi. Vous prenez la voiture, on arrive au péage, ils te regardent payer. On passe les pompes essence. Ils regardent, ils saluent les pompes essence. Voyez, frères et sœurs, le savoir-vivre, ils ne le connaissent pas. C'est comme des vrais sauvages. On arrive en Belgique, on fait la mission, tout. Et puis on repart. De nouveau, on paye. Ils voient les pompes essence. Bonjour, bonsoir, au revoir. Péage, tu repayes toujours. Tu arrives, il faut les déposer chacun chez eux. Et puis ils te disent à la fin, que Dieu te bénisse. On acclame Jésus, frère. Alléluia! Dis à ton voisin, le savoir-vivre. Or, celui qui a la connaissance, il dit quoi? Il va se dire... Frère, est-ce que tu as une place? Oui. Il va prévoir 5 euros, 10 euros. Voilà ma participation. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à gagner les Européens, les Blancs. Nous, les chrétiens d'origine africaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient, ils se disent, voilà comment ils vivent. Voilà. C'est ça être chrétien? Vous savez, il y a des païens européens ou arabes du Maghreb qui tiennent à la famille. Ou chinois, regardez bien les chinois, les indiens avec leurs enfants. Nous, regardez bien quand il y a des réunions comme ça. Les enfants, les femmes laissent leurs enfants se balader à gauche à droite. Vous savez quoi? Et elles ne prévoient même pas des sandwichs pour les enfants. Tellement qu'elles font d'économies, les économies. Je vois à Paris, les femmes viennent, elles balancent leurs enfants comme ça. Et les enfants sont là. T'as pas à manger. Le savoir-vivre. Il y a même des familles que je connais, des familles africaines. Elles mettent des cadenas sur leur frigo. Je connais. Vous ne connaissez pas ça là? Qui a déjà connu ça?
Voilà. Cadenas. Pour ne pas que les enfants aient accès au yaourt, tout ça. Parce qu'ils disent, vous mangez trop. Qui veut être affranchi ce soir? Qui a peur du mariage? Qui a peur de se marier? Je sais qu'il y en a qui ont peur de cela. Voilà. Alors, avant de finir, écoutez. Voyez, j'ai parlé de choses pratiques, hein, des choses de la vie, de tous les jours. Les sœurs, les frères qui aiment le Seigneur, qui veulent se marier, assurez-vous que l'homme que vous voulez épouser a du savoir-vivre. Et si ce n'est pas le cas, prenez le temps de partager avec. D'accord? Il faut qu'il soit responsable. Il faut qu'il connaisse son identité d'abord. Parce que si vous épousez quelqu'un qui ne connaît pas son identité, c'est une personne qui va chercher à imiter les autres. J'ai vu des gens qui sont tombés, des gens que je formais. Vous savez, une des raisons, c'est quoi? C'est qu'ils commençaient à m'imiter sur tout le plan. Ils riaient comme moi. Hé, 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 hé. Ils bougeaient comme moi tout le temps. Ils n'avaient plus d'identité. Voyez? Un homme, une personne qui ne connaît pas son identité cherchera à imiter les autres. Il se mettra dans la peau de quelqu'un d'autre. Et il va vous faire beaucoup de dégâts. D'accord? C'est important. Donc il faut que l'homme connaisse son identité. C'est-à-dire, il doit être assez mature. Il doit être chef. Capable de se prendre en charge. Spirituellement, matériellement, financièrement et sur le plan éducation, instruction. La femme doit connaître également son identité. Si c'est une femme qui s'habille comme une prostituée avec des jupes ici, c'est fini pour vous. Elle va vous créer beaucoup de concurrents. Si c'est une femme qui a des comme je peux voir ici des caleçons ici l'été là. Vous avez vu l'été là comment les femmes s'habillaient? J'ai vu même des papes chrétiens d'origine africaine laisser leurs fils habiller comme ça. Moi, si j'avais une fille comme ça, je prends les ciseaux, je coupe ça. Tchouin, 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 tchouin. Je te dis, tu ne rentres chez moi comme ça. Non, nous sommes civilisés. Civilisés? L'identité. Une femme qui s'habille légèrement, c'est une femme qui ne connaît pas son identité. Parce que ce sont des prostituées qui s'habillent comme ça. Une femme qui connaît son identité, celle qu'elle a reçue en Jésus, elle va se couvrir pour ne pas séduire les autres. Un homme qui connaît son identité ne va pas s'habiller pour mettre ses muscles dehors. On voit des hommes de 40, plus de 40 ans courir après des filles de 18 ans. Vous savez pourquoi? Ce sont des pédophiles. Ils ne connaissent pas leur identité. Comment toi, qui as un tel âge, tu peux courir après une telle jeune fille? Elle peut être ta fille? C'est de la pédophilie dans les églises. On dit non, Dieu m'a dit. Non, Dieu t'a pas dit. Non. Frère, je veux finir, hein. Ne vous inquiétez pas. L'heure est grave, on rigole, hein. Mais je connais les églises, là, comment nous sommes. Je connais. L'homme. L'identité. Regardez, avant, on m'a fait croire que pour organiser de telles réunions, il faut à tout prix se mettre avec tous les pasteurs de la ville pour qu'il y ait du monde. C'est ce que je croyais, c'est ce que beaucoup de pasteurs croient. C'est pour cela que quand un pasteur arrive dans un pays, avant de faire un grand programme, même les grands là qu'on appelle les grands dans le monde, là, les grands prédicateurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont s'associer avec des pasteurs voleurs, impudiques, adultères, comme ici on voit des pasteurs qui traînent avec leur traductrice, interprète, hein, métisse, voilà. Tu es marié, tu as des enfants, tu es grand-père, tu es toujours avec une petite fille métisse, en train de te balader partout, et personne, tout le monde trouve ça normal. Hein? Et ça fait des années que tu es en Belgique, tu ne fais que prêcher en lingala, tu ne peux même pas prêcher en français. Il y a un problème, l'instruction. Toujours c'est Dieu, Jésus, c'est pas Jésus, c'est j'ai alléluia.
à ton voisin l'instruction. Ça fait combien de temps que tu es en Belgique? Jésus, fils de Dieu. Non! Un prédicateur, écoutez bien s'il vous plaît. Alléluia! Un prédicateur congolais prêchait. Ça faisait des années qu'il était en France. On ne fait pas d'efforts. Voilà l'identité. Il y avait beaucoup de Français qui étaient là. Jésus, les gens n'ont pas compris. Fils unique. Fils unique. L'iniquité et le péché. Fils unique de Dieu. Il y a un problème. Dis à ton voisin, instruis-toi. Acclamez Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous savez quoi? On ne prend pas du temps. On ne prend pas de ce temps pour travailler même la langue. Prendre un dictionnaire, travailler, parce qu'on est tellement chrétien qu'on voit seulement le ministère. Mais prendre un dictionnaire, travailler son expression, travailler sa langue, travailler son élocution, travailler sa connaissance. On n'a pas été instruit comme ça. Vous savez qu'en France, je n'ai même pas pu avoir mon brevet de troisième. Je n'ai même pas de diplôme. Pourtant, j'en suis à mon 14e livre qui vient de sortir là. J'en ai trois autres qui sont pratiquement finis, qui vont sortir là. Vous savez pourquoi? C'est le travail personnel. C'est l'instruction. Je connais mon identité de fils de Dieu. Alors je veux la travailler d'abord dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole, dans, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, dans la considération des frères et sœurs, et dans le respect de ce que Dieu me communique. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de volonté, de détermination. Qui veut y arriver? Tout est possible à celui qui croit. Et si tu as les yeux ouverts, au plus aucun pasteur ne pourra te contrôler, te manipuler. Fini ça. Fini. Tu es héritier. Tu es héritière. Travaille ton héritage. Travaille ton identité. En craignant Dieu. D'accord? Et un conseil gratuit que je donne aux frères et sœurs. Si Dieu te met à cœur de faire une œuvre spirituelle, ne la bâtis jamais sur la division. Un conseil que je donne gratuitement. J'ai vu des gens que j'ai formés qui crachaient le feu. J'ai vu des gens qui prêchaient l'onction se manifester. Je leur disais, attention, et ils se moquaient de moi en disant, oh le vieux. Je leur disais, allez doucement les enfants, le chemin est long. Le chemin est long. Parce que le frère que tu es en train de casser, le frère que tu es en train de dénigrer, attention, Dieu l'a appelé. Toute œuvre bâtie sur les murmures, sur les critiques, sur la division, ne va, je n'ai pas vu ces œuvres-là aller loin. Il y avait un frère que j'ai formé il y a des années. Beaucoup ne l'ont pas connu. Quand il prêchait, les gens disaient John Wesley. Il a commencé une œuvre sur la division. Le Seigneur m'a dit, laisse-le. Laisse cet homme. On est parti. Aujourd'hui, il a tout perdu. Tout. Quand il prêche, il n'y a plus rien. Et tous les frères et sœurs qui l'ont soutenu l'ont abandonné. L'œuvre spirituelle, l'œuvre de Dieu, l'œuvre divine n'est pas une œuvre charnelle. Toute œuvre que vous commencez avec le Seigneur est amenée à perdurer. Si cette œuvre-là échoue, Dieu vous demandera des comptes. C'est pour cela, le plus important pour une œuvre, ce n'est pas celle qui se voit, c'est la base qui est posée. Comment posez-vous la base ou les bases de l'œuvre que vous voulez faire dans le royaume du Père? Aussi bien dans vos couples, dans vos familles, que dans vos maisons, que dans vos villes. Quelles sont les bases que vous voulez poser ?
Hier, ceux qui m'ont dit, oh non, mais le vieux, il parle comme ça, il faut laisser. Aujourd'hui, frère, je pleure parce que je le vois brisé, détruit, s'associer avec des païens, des pécheurs, des gens qui pratiquent volontairement le péché, conscient le péché. On ne peut récolter que ce qu'on a semé. La parole le dit. Dieu est juste. Oh oui, frère, il est juste. J'ai eu cette sagesse avec les frères et sœurs que j'ai formés, de la part du Seigneur, de leur dire à chaque fois, non, je préfère vous laisser, moi je me retire dans la paix. Bénissez-moi. Priez pour moi. Je m'en vais. C'est ce que j'ai fait avec le pasteur avec qui j'ai collaboré pendant 6 mois avant de commencer l'œuvre. Je me suis éclipsé dans la paix, j'ai disparu. Je suis allé faire ce que Dieu me demandait de faire. C'est une des clés du succès du ministère que le Seigneur m'a confié. Mais toi, comment te comportes-tu? Comment agis-tu? Dieu n'oublie jamais. Nous oublions parfois les actes que nous posons. Mais Dieu n'oublie jamais. 10 ans après, ça peut te rattraper et ça peut te détruire et ta famille et les enfants. L'œuvre. Autre chose. Chaque frère et sœur est libre d'ouvrir sa maison pour prier. Chaque frère et sœur. Mais un conseil que je donne aux frères et sœurs. En ouvrant vos maisons, dites-vous ceci. Vous aurez des sorciers qui viendront. Il y a beaucoup de satanistes. Vous savez, si Dieu n'était pas fortement avec moi, je serais mort à cause de la sorcellerie. Parce que on en a connu, on en a reçu. J'ai eu des sorciers qui étaient venus à la maison, à l'époque où j'étais pasteur, pour prier. Et à cause de la négligence, ils ont laissé des caméras chez moi, des caméras spirituelles. Et je sentais qu'on me surveillait, qu'on me contrôlait. C'est pour cela. Si Dieu vous demande de faire quoi que ce soit, assurez-vous que c'est vraiment le Seigneur. Et si c'est Dieu, alors n'hésitez pas, obéissez à sa parole. Il y a un couple que j'ai connu. Elle avait le feu. Il avait le feu également. Ils ont ouvert leur maison. Mais ils ont négligé beaucoup de choses. Vous savez quoi? Les sorciers sont venus. Ils ont commencé à les menacer, à les attaquer. Le frère est tombé dans l'adultère. Le couple était presque brisé. Dieu est plus fort que la sorcellerie. Mais si nous sommes dans la désobéissance, on est exposé. D'accord? Sachez-le. Vous avez connu l'histoire de Cynthia qui a confessé la sorcellerie. Vous avez connu l'histoire des enfants qui sont venus de la Suède qui ont confessé la sorcellerie. Et il y en a plein d'autres dans les coulisses que nous sommes en train de, pour lesquels on prie en ce moment. Des enfants, il y en a beaucoup, qui confessent la sorcellerie. C'est horrible, c'est un fléau. Pour ne pas être atteint, encore une fois, connaissez votre identité, craignez Dieu et le Seigneur vous gardera. Et faites tout ce que Dieu vous dit de faire. Et en le faisant, fermez les oreilles au dire des gens. Faites le travail. D'accord? Faites le travail. Pour finir, regardez, avec l'onction que le Seigneur me donne, qu'est-ce qui pouvait m'empêcher de venir en Belgique pour dire, bon, avec les moyens que nous avons aussi, dans les nations ici et là, on va trouver une grande salle, comme celle-ci même plus. Et je vais être là tous les dimanches, toute la semaine pour travailler, bâtir une grande assemblée. Et dire aux frères et sœurs des églises, d'autres églises, quittez vos assemblées, venez ici. On pouvait le faire, mais ça allait être charnel. Et les gens pouvaient également venir, mais on allait casser des églises, alors que ces églises-là, il y en a, certains pasteurs, bien qu'étant dans la religion totale, mais il y en a qui aiment Dieu et qui n'ont pas encore l'éclairage que Dieu nous donne. Alors qu'ils aiment Dieu, dans leurs erreurs, ils sont sincères. Ils ne vont pas avec les femmes d'autrui.
ils ne prennent pas l'argent des frères et sœurs. Ils sont peut-être dans les bâtiments, mais ils aiment Dieu. Croyez-moi, ces hommes-là, Dieu va les éclairer pour pouvoir bien les sauver. Alors imaginez maintenant si moi j'arrive, ouais, l'onction que Dieu me donne, les gens sont touchés, alors cassons ces églises-là, les frères et sœurs, venons, on va commencer une grande assemblée. Je veux bâtir une œuvre sur la division de manière charnelle et ça va se casser parce que les mêmes qui vont quitter là-bas, un jour ils vont quitter ici. Donc la vision c'est quoi? Ce n'est pas de dire aux frères et sœurs, manquez du respect au pasteur, non. La vision c'est de dire aux frères et sœurs, repentons-nous tous, préparons-nous pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le message, frères et sœurs. Ne croyez pas que je vais manquer du respect aux pasteurs. Quand je dénonce les faux pasteurs, ce ne sont pas tous. Il y en a avec qui on va partager à les coulisses, qui font les efforts pour chercher le Seigneur, pour connaître la vérité. Il ne faut pas croire, frère, il y a un travail qui se fait dans les coulisses. On jeûne pour des pasteurs, on gémit devant Dieu pour eux. Restons dans l'humilité, restons dans l'amour et dans la sagesse. Nous ne prêchons pas une église, nous prêchons le royaume de Dieu, nous prêchons Jésus. Et chaque chrétien doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est normal parce que notre Papa est le Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Puisse le Seigneur nous éclairer encore de plus en plus, afin qu'à notre tour, nous éclairons ce monde.